Et salut tout le monde, c'est des frères, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve, comme je vous l'avais promis, hein, sur la démo de Mass Effect. Je n'ai jamais lancé Mass Effect, enfin j'ai jamais joué même à Mass Effect, dans tous les Mass Effect de ma vie, enfin de tous les Mass Effect qui existent, j'en ai jamais joué. Donc ce sera la première fois, hein. Je me suis dit écoute, pourquoi pas, c'est un jeu qui rappelle, enfin qui rappelle pas, mais qui ressemble un peu à l'univers de Dead Space. Enfin, à ce que j'ai vu de quelques images, hein, parce que j'ai une musique là-dedans dans mon téléphone que je vois 2-3 images. J'ai vu un extraterrestre, après c'est tout. J'ai vu 2-3 mecs, après c'est tout. J'ai pas vu d'autres. J'ai pas voulu spoiler, hein, franchement, j'ai pas voulu. Peut-être vous connaissez le jeu, ce qui est fort possible, mais moi en tout cas, je ne le connais pas. Donc c'est parti pour une belle aventure de Mass Effect, et bien sûr, c'est la démo, hein, donc ce sera pas très long. J'espère en quel. Qu'est-ce que c'est que ça? Par là, mais là on va mettre normal. On va monter un peu pour vous, hein, parce que on sait très bien que sur YouTube, c'est pas enfin c'est on va mettre normal, on va mettre comme ça parce qu'on est très bien sur YouTube. On sait très bien, pardon, que sur YouTube, oh là là, que c'est une qualité vraiment, enfin c'est pas la qualité, mais c'est on sait très bien. Ils m'ont saoulé combien de temps avec ça. Voilà, on sait très bien que la luminosité est très basse. Hein. Bah oui, bah alors c'est pas grave, je m'en fous, mais j'ai pas envie d'être branché. Donc, donc elle me dit joueur me demande des mots, vous croyez? Ah, j'ai que 10 heures, d'accord, d'accord, j'ai que 10 heures. Donc, bah, je vais tourner cette vidéo très rapidement. Enfin, pas très rapidement, mais voilà. Je sais pas en combien d'épisodes je vais tourner, ça, je sais pas vraiment pas. Je pourrais pas vous dire, mais on verra. Donc, démarrer rapide. Mais attendez, c'est multijoueur ça ou je rêve? On dirait, hein. Normal. Je sais pas ce que j'ai fait, hein. Et on va voir, hein. Écoutez. En tout cas, vraiment, c'est très beau. À ce que je vois. À l'origine de chaque grand moment de notre histoire, il y a un rêve. Au départ de chaque bond en avant, des héros, prêts à tout pour réussir. Nous laissons tous, derrière nous, des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains pour découvrir l'inconnu, d'autres pour prendre un nouveau départ. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos raisons, nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve une réalité. Thank you.
vais doucement. Ryder Sarah, exploratrice. Équipe de mission du pionnier. L'équipe du pionnier? Ceux qui nous cherchent un foyer. Sous les tropiques, vous croyez que c'est possible? Une mer chaude, l'été toute l'année. On pourrait commencer par lui offrir un café, non? Lors de sa sélection, l'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Sarah Ryder, voyons si tout va bien. Regardez. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelés Monde en Or, le secteur Eleus a été sélectionné comme destination. Vous faites maintenant partie de la première vague d'Arche à atteindre Andromède. La nouvelle galaxie de l'humanité. Ah oui, si seulement c'était si simple. Que... Ouais, ça c'est bon, d'accord. Donc on se retrouve à ce moment-là. Donc, ah, d'accord. Alors, émotionnel, logique, déconstructé, professionnel. D'accord. Donc elle a dit, ah si seulement ça peut être simple. Ouais. Donc on pourrait dire, ça ne voudrait pas le coup. Et là, voilà, attendez, pourquoi là? Ah d'accord, c'est parce que j'étais pas dessus, d'accord. Et là, donc attendez, ça c'est décontracté. Ce signe là c'est décontracté et ce signe là c'est professionnel. On s'est entraîné pour ça. Ou ça. Bah je, et les gars, je sais pas. Hein. Soit je la joue détente, ou soit je la joue professionnelle. Alors je sais pas. Vraiment pas. Écoutez. Je sais pas parce que je sais pas. On va jouer. Allez, on va se mettre détente. J'espère que non. J'aimerais vivre une vraie aventure avant de m'installer. Tant mieux. Parce que justement, je pense que c'est ce qui vous attend. Ah bon? Par ici maintenant. Le pionnier vous veut tous prêts sur le champ. Il a dit, parez pour la mission dans une heure. Vous savez pourquoi? Non. Mais j'imagine que c'est là que votre aventure commence. Bon, tout a l'air en ordre. Une dernière chose avant que je vous laisse partir. On va tester votre implant. Sam, tu assures le suivi? Sam, tu es en ligne? Oui, docteur Tepero. Bonjour, Sarah. J'espère que vous allez bien. Alors, oh, mais qu'est-ce que... Ah, très différent. C'est même pas le même symbole. Alors, je suis... d'accord. Toujours... Écoutez, je sais pas laquelle vous prendre. Enfin, quelle décision prendre. On va tenter au pif. Allez, hop, c'est là. Je suis prête à y aller. Résultat confirmé. Je détecte une augmentation du niveau d'adrénaline dans votre sang. L'implant neuronal fonctionne correctement. Je peux pas explorer l'espace sans mon café. C'est fini. Je vais pouvoir vous libérer. Mais vous voudrez peut-être rester pendant qu'on réveille votre frère. C'est toujours plus facile quand on voit un visage. Ça me dit rien qui vaille. Qu'est-ce qui se passe? Le module de stase. Accrochez-vous. Stase des machines, au rapport. Oh là. Promenez-vous à des On a plus de pesanteur dans la okay. zone de cryo. Les gars, qu'est-ce que je vais faire? Attention à la fin. J'y suis presque. Tenez bon. Ah, fallait juste regarder, d'accord. Oh là, alors ça commence très vite. Hein. Alors, on est passé dans des algues. Ici Cora, à la zone de cryo. Je rétablis la gravité. Tout le monde va bien? Très beau, les personnages, hein. Oui, je crois. Bien fait, hein. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas, les capteurs sont brouillés. Mais ça fait plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ici le pionnier. Équipe de mission, continue à vous préparer. Cora, des riders, rendez-vous sur la passerelle. Vous l'avez entendu, allons. On a un problème par ici. C'est Scott Ryder. Ah d'accord, j'imaginais pas du tout que ce soit comme ça. Je pensais que ça allait être plutôt FPS ou... Voilà, ok.
Donc c'est soit on va à la mission principale, soit là. On va de toute façon voir ça, mais je crois qu'en plus c'est notre frère. Ryder, oui Ryder, Sarah, c'est notre frère. Mon frère va bien. Oui, bah, oui, Scott va bien. Ses signes vitaux sont bons, mais le processus de réveil a été interrompu. Quel est ce symptôme? Ce symptôme, qu'est-ce que je raconte moi? Parce que, j'ai pas vu l'autre. Tu ne veux pas le parler? Le prendre? Soit on la joue sentimentale, enfin, je crois que ce soit ça. Celui-là, je sais pas pourquoi. Je sais pas, les gars. On joue un peu sentimental. Vous n'avez pas l'air optimiste. Ne vous inquiétez pas. Ça veut simplement dire que son réveil pourrait être un peu plus long que prévu. Sam ? Ma connexion à l'implant de Scott a été interrompue. Son pouls, sa respiration et son activité cérébrale sont cependant normaux. Pour limiter les risques, on va le garder pendant un moment en coma artificiel et laisser son corps reprendre conscience naturellement. Il va s'en tirer. Ça me rassure. Merci, Lexi. Tenez-nous au courant. Je vous attends à la porte, Ryder. On y va quand vous voulez. Ok, d'accord. Donc, on se retrouve bien sûr avec Sarah. Je ne sais pas du tout c'est qui. Je sais juste qu'elle est très jolie. Bon, on va s'attarder plus là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Module de stase. Ouais. Bah, vraiment, on dirait. Stase. Ces signes vitaux ont l'air bons. On dirait. Ah non, stase. Ah d'accord, c'est une personne, d'accord. Parce que j'allais dire, on dirait vraiment du coup comme la Dead Space. Parce que je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, franchement, on dirait vraiment l'univers de Dead Space. Hein. On peut parler un peu tout le monde, c'est ce que je viens de voir. Alors, on va pas parler à tout le monde, on va se dépêcher hein, parce qu'on a pas beaucoup de... Oh là, j'étais pas prêt. C'est quoi ce sprint? J'étais pas prêt les gars. C'est quoi le problème? Oh là, oh, ça me fait peur. Arrêtez les gars. Hé, hey, par ici. Encore. Le câble du délarge a tout grillé. Si on ne fait rien pour redistribuer l'énergie, ça risque de sauter. Mais on ne sait pas où est la défaillance. Ryder pourra la détecter, elle a un scanner. Ah oui. Vite, Ryder, on doit trouver cette défaillance. Donc, je m'en charge. La défense, je vais essayer d'obtenir des relevés du deuxième conduit. Je vais essayer de lancer un diagnostic. Ah non. Je retire les sécurités. Compris. Aucune défaillance détectée dans ce composant. Continuez de chercher. La surcharge empire. Les gars. Ryder. Le relais 2C présente des signes de dégâts causés par une forte hausse de température. J'ai trouvé le relais fautif. Bah ouais, c'était ça, voilà. Ryder, pouvez-vous charger de la réinitialisation? Ouais, d'accord, ça marche. Alors, on met directement dans le... Voilà. C'est réinitialisé. J'allais faire tout le tour, mais non. On met directement dans le bain, en fait. Hein. On met directement dans la voiture, ça, j'aime bien. Génial. On a frôlé la catastrophe pour tous les gens. Comme tous les jeux où tu mets 3000 ans à... Attends, quoi. Bien joué, Ryder. On peut aller au tram maintenant. Bah, le jeu. Donc, allez au. Ah, ouais, mince, je pensais que le portail était seul. Allez au tram. Tram, c'était les moins une. À peine dans Andromède. Quand il court, c'est tellement marrant, sérieux. C'est parti pour l'aventure. Je sais pas, c'est trop marrant. Pas sûr que votre père donc, voit ça. Attendez, Cora. Hey, Cora, t'es où? C'est une blague toute pourrie, bon. Enfin, je sais même pas si c'était une blague à la base, mais bon. Allez-y, conduisez-nous à la passerelle. C'est moi qui dois le faire. Conduire? C'est moi qui vais conduire ça là. Ah là là. On dirait vraiment. En fait, oui, comme parce que je redis à chaque fois parce que ce jeu-là vraiment m'a vraiment marqué. On dirait vraiment Dead Space. Après, ça se trouve, vous croyez que ça ressemble pas à Dead Space, mais l'univers ressemble un peu à Dead Space. Navigation. Comment au ça rapport. Fait, ça ressemble à Dead Space. On dérive. Et un petit. Les tout petit pour moi, c'est mon avis. Hein. Un tout petit univers de Star Wars. Je trouve. Commencez par réparer les pannes avant tout. Le générateur principal est mort, on est sur les réserves, capitaine. Elles ne vont pas durer. Après, là, je me suis réveillé, je crois que je me fais défoncer par mon propre vaisseau. Quelle est notre position? Les systèmes télémétriques ont lâché. Non, on dirait vraiment Sam, Dead Space. Hein. Montre-nous ce qui se passe. Tentative. Vous souvenez dans Dead Space 3, au moment où on est avec. S'il vous plaît, Alec, vous êtes peut-être le pionnier, mais c'est mon vaisseau. Et Carver dans le protocole est clair, capitaine. Bon, on dirait vraiment en l'absence de communication avec le Nexus ou les autres arches, après, ça se trouve, continuons c'est vers créateur, notre hein, monde en or. Je crois que c'est notre créateur en plus. En espérant qu'elle existe. Moi, je sais pas. Personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit.
Alec, je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie. On a 20 000 personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Elle a raison. Non. Attendez. Je préfère... terre ferme. Bah moi je préfère la terre ferme, hein. Dans tous les cas je préfère vraiment la terre ferme. Mais est-ce que le jeu voudrait pas qu'on aille dans l'autre sens plutôt? De décider ou alors... Allez gars, on s'impose, on s'en fout, on préfère la terre ferme. Mais l'argument de mon père tient la route. La terre ferme, ça sonne plutôt bien. Oui, mais... Plutôt bien, ça ne suffit pas. Ah, bon, bon, non, oui, chef. T'as une détail, chef. On envoie le bout. Ouais, mais la terre c'est quand même bien. Il y a des beaux trucs à mon la terre. Mon dieu. À moins qu'elle soit toute dévouée. C'est ça, votre monde en or. C'est la terre, ça, c'est l'habitat 7. La nouvelle terre. Ah. Avec un peu de chance. Ah non, mais c'est pas notre terre à nous. Parce que les gars, là, vous avez abusé si c'était notre terre à nous. Tous nos scans à longue portée indiquaient qu'il était dans la zone verte. Parfait pour une communauté humaine. On dirait une autre planète. Elle a raison. Ça a l'air assez risqué, vu d'ici. Les scans sont fiables? C'est une bonne question. Beaucoup de choses ont pu changer en 600 ans. Sam? L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires. On est coincé. 20 000 âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. Et dans le cas contraire? J'aurai la responsabilité de trouver une autre solution. Les pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien, on est déjà chez nous. D'accord, mais faites vite. Harper, le reste de l'équipe devrait être debout. Qu'il prépare deux navettes. Atterrissage dans 30 minutes. Compris. Une vraie tête de mule, hein? Personne n'a dit que mon père était diplomate. Les relations sociales n'ont jamais été son fort. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas comme si on pouvait appeler la cavalerie à notre secours. Où en sont les réparations des capteurs? On avance à l'aveugle, là. Mon frère va être dégoûté d'avoir raté ça. Tous les riders sont accros à l'adrénaline? Il faut croire que c'est dans nos gènes. Je suis née une minute avant lui. Équipe d'intervention sur le pont 3. Je ne manque jamais de lui rappeler. Ne vous en faites pas. Scott va s'en sortir. Oui, et il va vouloir qu'on lui raconte nos aventures. Alors, on n'a plus qu'à aller les vivre. Bon, vous devriez mettre votre casque. Okay. Et peut-être faire un arrêt à la pierre porte-bonheur. Enfin, on est plongé dans l'aventure. La quoi? Moi, j'ai pas entendu. Ah, mais, c'est bon. Quoi, c'est bon? Ton casque, tu l'as même pas. Le pionnier a exigé des armes de poing. L'accès à l'armure est ouvert. On risque d'avoir des ennuis, Sam? Simple précaution. Activé. Veuillez vous équiper, Ryder. Ah, c'est tué. Bah, non, j'essaie de changer de vue. Non. Oh, je vais tout dégommer. Mieux vaut prévenir que guérir. Oh là! Qu'est-ce qui est manqué? C'est quoi, les gars? Non. D'accord, flèche bas, c'est scanner. Ok. Faut s'habituer. Hein. Attends, mais c'est pas ça. On dirait que papa est déjà prêt. Ah, donc... Approche-toi, Scott. Son père est déjà... Ah non, on s'en fout. Donc, son père... Moi, je pensais, hein, mais après, c'est... Enfin, je pensais, hein, vous voyez. Je pensais que mon père était mort. Mais non, son père, il doit être encore vivant, du coup. Hein. Et je pense que son père... Moi je sais pas, mais je pense que son père était dans... C'était le personnage principal dans les anciens Mass Effect. Après je sais pas. Écoutez. On verra bien. Docteur Carlyle, vous ne feriez pas mieux de rester à bord de l'Arche avec tout ce qui se passe? Le pionnier veut un médecin dans l'équipe. Et si c'est notre future maison, je serais ravi de toquer à la porte.
Si c'est ce qu'on espère, on entrera dans l'histoire. Vous avez préparé un discours? Un petit pas pour... C'est à votre père que cet honneur reviendra. Bon, écoutez tous. On part dans 5 minutes. On a préparé les armes comme vous l'avez demandé. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ça semblait prudent, vu la situation. L'équipe n'est pas au complet sans Scott. J'ai appris ce qui s'est passé. Scott est fort. Il s'en sortira. Il a intérêt. Ça fait 600 ans qu'il dort et il fait la grasse mat. On sait bien que ça n'a jamais été un lefto. Mais il ne faut pas se laisser abattre. J'ai besoin de toutes tes capacités. Oui, chef. Votre mère aurait été fière de vous deux. Bon, les gars, écoutez-moi bien. J'ai choisi chacun d'entre vous pour cette équipe, pas seulement parce que vous êtes compétents, mais parce que vous êtes des rêveurs, comme moi. On rêve d'explorer l'inconnu, d'arriver jusqu'au bout du monde et de repousser les frontières encore plus loin. Quand les gens reviendront sur ce qu'on a fait, ils se souviendront qu'on n'a pas laissé tomber. On a poursuivi notre rêve. Ils se rappelleront que nos premiers pas chancelants sur Andromède marquèrent le début de tout ce qu'ils connaissent. Cette occasion ne se représentera pas. À nous d'écrire l'histoire. Ça fait 600 ans qu'on attend ça. Mais ça a arrêté net l'Hyperion. Il semble s'agir d'une masse instable d'énergie noire. Si tu le dis, reste à distance. Anomalie gravitationnelle détectée. Je vais voir si je peux nous stabiliser. Mon estomac, on serait ravis. C'est bon, j'accélère pour atteindre notre vitesse de croisière. Ryder, on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance dans la Voie lactée. Je suis Liam Costa, responsable sécurité et intervention. Enchanté. J'ai du mal à croire qu'on est enfin sur le terrain. C'est plus palpitant que lire les brochures. Décélération enclenchée, planète droit devant. Accélération en hausse. Sans blague! Défaillance du micropropulseur. Fais-le marcher! Vitesse terminale bientôt atteinte. Sam!
Ryder, à vous. Hyperion, Sam, quelqu'un m'entend? Pas la peine, Ryder. Sam et HS, la com est foutue. Et nous, on l'a échappé belle. Les autres s'en sont sortis? J'en sais rien. C'était la panique. La navette s'est fendue en deux. Un vrai cauchemar. Ouais, on peut pas vivre ici. Je crois qu'on va devoir monter dans les hauteurs. Voir s'il y a des survivants. En route! Je peux pas monter dans les bas. Ryder! Vous en êtes tous de votre. Alors, déjà, non, tu vas te calmer. Alors, je regarde. Non, écoutez, on va pas regarder ça tout de suite. Hein. On va regarder ça dans le prochain épisode. Donc, oui, c'est déjà la fin du premier épisode. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Moi, en tout cas, j'ai kiffé ce début d'épisode. Enfin, ce début de jeu. Hein. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, mais vraiment beaucoup de cinématiques. Après, moi, ça me gêne pas. Je trouve ça vraiment magnifique. Et j'ai remarqué aussi, je crois, hein, mais je pense vraiment, que les créateurs de jeu là, ça doit être les mêmes créateurs partout, ou alors c'est totalement vrai, les créateurs de Dead Space, parce que dans le moment dans l'avion, en fait, quand tout se casse, en fait, quand tout le mur, par exemple, toute la paroi s'arrache, et que le mec est en train de partir, dans les fins fonds du vent ou de ce que tu veux, ça m'a rappelé vraiment la séquence de ah bah. Bon, c'est mon alarme. Ça m'a rappelé vraiment la séquence de Dead Space 3. Quand t'es avec Ellie. Ou Ellie, je sais plus. Non, Ellie. Et que le vaisseau s'arrache. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc voilà. Alors, je crois que c'est vraiment le même créateur. Mais bon. Bref. Donc on va s'arrêter là, les amis. J'espère que vous avez kiffé. Moi, en tout cas, j'ai kiffé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre des likes. À laisser des commentaires et à partager cette vidéo si vous avez kiffé. Moi, en tout cas, j'ai kiffé la faire pour vous. Hein. Donc, on se retrouve pour l'épisode 2 ou à la prochaine, hein, pour d'autres vidéos. Hein. Je vous dis à la prochaine, c'était Destroyer. Ciao, ciao.